Bonjour, je suis Laura Cardozo et j'anime avec plaisir ce podcast, Parole de Yogi, le podcast 100% yoga. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'épisode du jour sort un samedi. C'est le nouveau jour des publications du podcast, un samedi sur deux si tout va bien de mon côté. Je ferai de mon mieux en tout cas, pour vous assurer une publication à ce rythme. Si vous avez des questions ou des suggestions à me faire pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à regarder dans les notes du podcast et à me rejoindre sur Facebook, Instagram et Tutti Quanti. Aujourd'hui, je reçois Capucine, qui nous parle de ses deux grossesses vécues très différemment l'une de l'autre, grâce à un travail personnel et à la pratique du yoga. On évoque aussi sa formation et ses débuts comme professeur dans un centre social pour des femmes en situation précaire. Avant que vous écoutiez ce podcast, Capucine a un message à souligner. J'aimerais préciser encore une fois que je ne parle que de mon expérience personnelle dans le cadre d'une grossesse qui, par chance, a été physiologique et s'est passée sans souci médical. Ce n'est pas toujours le cas, et les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Je ne l'ai pas dit et je le regrette. Je voulais aussi dire que le yoga m'a parlé à moi, à ce moment-là, dans cette aventure, mais que ce n'est pas le remède miracle à tous les maux, et que ça ne fait pas tout. Vous dire enfin que toutes les réponses que j'ai trouvées ont été mes réponses à moi, et pas des réponses universelles. Je ne veux surtout pas faire d'injonction. La maternité et la grossesse sont des sujets tellement sensibles et personnels. Je ne veux heurter ou culpabiliser personne. C'est sur ces mots de Capucine que je vous laisse écouter notre podcast. Bonjour Capucine. Bonjour Laura. Merci de me recevoir tout ce matin, d'avoir pris un petit temps dans ton emploi du temps de maman. Avec plaisir, merci à toi. On va parler dans cet épisode de ton rapport au yoga et la découverte du yoga. Et donc, tu m'avais parlé dans un mail que tu m'avais écrit qu'il y a tout un rapport avec la grossesse dans cette découverte et surtout dans dans le fait d'avoir apprécié le yoga et derrière d'avoir voulu te former au yoga. Est-ce que tu peux nous parler de toute cette découverte du yoga pour toi ? Alors, moi, je suis arrivée dans le yoga, on va dire. Enfin, j'ai vraiment commencé à pratiquer par le chant à l'origine. Mm-hmm. Que je prenais des cours de chant et j'avais vraiment beaucoup de blocages en fait au niveau de la voix. Je sentais rien dans mon corps. Enfin voilà, j'essayais de travailler le souffle pour chanter, mais c'était vraiment bloqué. Et c'est ma prof à Paris à l'époque, quand j'habitais à Paris, qui m'avait dit qu'il fallait vraiment que j'arrive à ressentir un peu plus ce qui se passait dans mon corps, parce que j'étais complètement déconnectée entre ma tête et mon corps. Enfin, il n'y avait pas de lien, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours de yoga à peu près à ce moment-là. Puis après, j'ai plus jamais arrêté, quoi. C'est vrai que ça m'a plu tout de suite, en fait. Je pense que c'était vraiment exactement ce dont j'avais besoin. Au final, après, j'ai fini par même arrêter le chant parce qu'il fallait que je fasse des choix. Et le yoga est resté et pas le chant, quoi. Donc, c'était vraiment le moment. Donc, au départ, c'était vraiment une pratique, je pense, comme beaucoup. Enfin, je prenais un cours par semaine. Mm-hmm. Pratiquais pas du tout à la maison. Puis j'y pensais même pas en fait. Pour moi c'était chouette. J'allais à mon cours toutes les semaines, j'adorais ça et puis c'était tout. Ensuite donc j'ai été enceinte de mon premier enfant et là j'ai pris des cours de yoga prénatal. Mais pareil, c'était vraiment j'allais à mon cours une fois par semaine. C'était le petit moment où je me faisais du bien, mais j'étais vraiment pas dans autre chose que ça, quoi. Oui, tu voyais pas plus loin. Non, je voyais pas plus loin que ça. Je cherchais pas du tout de ne serait-ce que quelque chose d'un peu plus spirituel ou voilà. Enfin, j'étais pas du tout là-dedans et surtout j'étais je me rends compte en fait aujourd'hui qu'il y a vraiment beaucoup de chemin qui a été fait, quoi, parce qu'à ce moment-là j'étais quelqu'un de très très peureux, donc pendant toute ma grossesse en fait j'étais absolument terrorisée à l'idée d'accoucher, angoissée et tout ça. J'étais très angoissée, j'étais ouais. Et donc, j'avais très peur d'accoucher, mais j'ai rien fait, en fait, pour pallier cette peur-là, quoi. Je suis complètement livrée à 100% au corps médical en me disant, j'ai très peur d'accoucher, mais je leur fais confiance, ça va bien se passer. Et du coup, j'ai vraiment eu une grossesse, tout ce qu'il y a de plus médicalisé.
D'accord. avec plein d'échographies tous les mois. J'étais suivie par un gynécologue. J'étais vraiment, voilà, complètement dans le corps médical. Et effectivement, bon, le premier accouchement, c'est pas bien passé. Enfin, dès les premières contractions, je me suis complètement tétanisée. Et j'ai compris vraiment par la suite qu'en fait, ben, enfin, après, j'ai fait tout un travail sur la douleur. Donc, pour la grossesse d'après, je vais y venir. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai compris par la suite que quand on se tétanise, en fait, la douleur, elle est complètement décuplée. Et bon, en fait, on ralentit tout le travail, tout le processus d'hormones, en fait, ne se met pas en place. Voilà, donc. En plus, t'es crispé, donc tes muscles vont se crisper aussi. Donc le passage aussi, Voilà. j'imagine, pour bébé, doit être compliqué. Exactement. Puis du coup, oui, voilà, tout est crispé. Donc en fait, l'ouverture ne se fait pas. Enfin, le corps ne s'ouvre pas, quoi. En fait, c'est vraiment Exactement, ça. oui. Hein. Donc l'accouchement a été très long. Ça a été très pénible pour moi, pour mon bébé. Enfin, ça a été vraiment une expérience très très douloureuse. Donc j'ai eu la péridurale. J'ai demandé la péridurale presque tout de suite. Et en fait, la péridurale, ça m'a complètement angoissée. Enfin, l'idée de plus sentir ce qui se passait dans mes jambes et tout, ça m'a. J'étais complètement terrorisée, quoi. Donc, Ouais, tu t'es senti sans contrôle sur les choses, quoi. ah, complètement, complètement. Ça m'a vraiment. Je sais pas. Le produit anesthésiant, je me disais, mais je sentais plus cette partie de mon corps. Et puis, du coup, je me disais, j'étais pas connectée du tout à mon bébé. Je me disais, bon, bah là, je sais pas trop ce qui se passe. Enfin, bon, j'étais complètement. Puis allongée sur le dos, j'attendais que ça passe, mais j'avais des nausées. Enfin, bon, c'était vraiment difficile. Ça s'est terminé en césarienne d'urgence. Donc là, expérience pas du tout agréable. Hein. Je suis, enfin voilà, c'est très personnel hein, ce que je dis pour Bien les sûr. personnes qui vont accoucher ou voilà. Enfin, il y a des césariennes qui se passent très bien. Moi, j'ai des copines qui ont eu des césariennes pour qui ça n'a pas du tout été un souci. Là, je vais vraiment parler d'une expérience très très personnelle. Et c'est suite à cette césarienne, en fait, pendant des mois, mais vraiment des mois, je me suis sentie vraiment pas bien moralement, en fait. J'ai mis du temps à vraiment comprendre que ça venait de là, mais j'ai mis vraiment longtemps à me sentir maman de ce petit garçon. En fait, il y avait un lien qui se créait pas. Enfin, en tout cas, j'avais cette impression-là. Ouais, je me sentais un peu accablée par plein de responsabilités. J'arrivais pas à me sentir maman. Ça se mettait pas en place, quoi. Et au bout d'un moment, ça a vraiment. Je suis vraiment rentrée dans ce qu'on appelle une dépression du postpartum. Donc là, ça a duré plusieurs mois où j'étais vraiment, vraiment, vraiment Ouais, on est à plat. d'accord que ça n'a rien à voir avec un baby blues, hein, que les gens comprennent bien, c'est pas la même chose encore, hein. Non, c'est C'est pas la un autre même chose. degré, hein. Ouais, c'est un autre degré. Un baby blues, ça arrive très souvent. D'ailleurs, j'en ai pas eu pour cette première grossesse. J'en ai pas eu. Enfin, après l'accouchement, j'ai pas eu de baby blues. Le baby blues, ça vient généralement très proche de l'accouchement. Hein. Et puis, Ouais. ça dure quelques jours. C'est vraiment hormonal. Et en 3-4 jours, c'est passé, quoi. Ça peut durer un peu plus longtemps, mais bon, généralement, c'est quand même assez rapide. La dépression du postpartum, c'est vraiment un état dépressif qui s'installe. Et qui dure longtemps, quoi. Et c'est vrai que moi, c'est arrivé plusieurs mois après et ça s'est installé plusieurs mois. Et je suis allée voir donc j'ai fait une psychothérapie accompagnée d'hypnose, en fait. Génial. Et j'ai continué le yoga, hein, ça c'est sûr, j'ai continué, mais j'étais pas encore, à ce moment-là, rentrée vraiment dans une pratique plus approfondie, mais j'allais y venir. T'étais dans une pratique plus physique, c'est ça? Oui, j'étais dans une pratique plus physique, mais en même temps, j'étais tellement mal que là, je cherchais vraiment juste une solution pour sortir un peu la tête de l'eau et pouvoir rentrer dans un vrai travail, on va dire. Mais là, j'avais plus de moyens, quoi. J'étais vraiment ouais, dans une vraie dépression, quoi. Donc, j'ai fait quelques séances d'hypnose et voilà, ça m'a permis de sortir un peu juste la tête voilà, de l'eau. Et retrouver un tout petit peu d'énergie, on va dire. Et c'est là que je me suis mise vraiment dans une pratique beaucoup plus approfondie du yoga. Enfin, j'ai commencé à pratiquer chez moi. J'ai commencé à lire beaucoup plus de choses. Et c'est là que les choses ont vraiment changé, en fait. Donc, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux avec mon fils. Tout ça s'est mis en place. La relation s'est mise en place. J'ai commencé à me sentir maman. Voilà, je me suis vraiment sentie de mieux en mieux dans cet rapport-là, dans cette vie-là. Et à côté de ça, j'ai beaucoup lu sur l'accouchement, sur comment doit se passer un accouchement physiologique.
Et j'ai compris plein de choses. J'ai compris pourquoi j'avais fait une dépression du postpartum, pourquoi le lien s'était pas fait. J'ai trouvé un peu des réponses à mes questions, quoi, voilà, par rapport à ça. T'as été Et à la chercher tout ça et en fait t'as eu le déclic après ces séances d'hypnose, c'est ça? Ouais, voilà. D'accord. Disons que ces séances d'hypnose, elles m'ont vraiment permis de sortir de cet état vraiment dépressif pour commencer à y voir un tout petit peu plus clair et à avoir à nouveau des envies, disons, parce que j'avais plus envie de rien. Et là, le fait de revoir des envies, ça m'a permis d'aller lire. J'ai eu envie du coup de refaire du yoga un peu plus intensément. Voilà, c'est ça qui m'a. Ça a été, oui, ça a été un peu ce déclic-là, quoi. Et donc oui, toutes ces lectures, vraiment, ça m'a vraiment permis de comprendre tout ça, cette sensation-là. J'avais l'impression d'avoir échoué, en fait, cet accouchement, le sentiment que toutes les femmes étaient capables de faire ça et que moi, j'avais pas réussi. L'impression que mon corps m'avait fait faux bond, quoi. Voilà, je m'étais un peu dit, j'ai commencé à avoir un peu ce rapport-là avec mon corps, de me dire, mais enfin, je le connais pas. Je connais pas mon corps, j'ai rien ressenti de ce qui se passait dedans. Enfin, et du coup j'ai fait du yoga à fond, vraiment. J'en Justement pour faisais, te reconnecter à ce corps. voilà, ouais, exactement. Et j'en ai fait beaucoup. Donc là j'ai commencé à aller à 2 cours par semaine. J'en faisais beaucoup à la maison. Enfin, malgré le fait d'avoir un enfant. Enfin voilà, mon conjoint il a beaucoup été là et même si à chaque fois que je pratiquais c'était pas très longtemps, mais en tout cas tous les soirs je prenais un petit moment pour pratiquer un peu. Et C'était justement, forcément des. ces sessions-là, comment t'as réussi à les mener toute seule et qu'est-ce qui s'est révélé à toi quand tu pratiquais seule sur un tapis? Alors c'est ce que j'allais dire, je faisais pas énormément de postures parce qu'à ce moment-là je savais pas du tout comment pratiquer seule à la maison en fait. Je ne savais pas du tout comment construire des séances. Donc, je faisais pas énormément de postures. Disons que je faisais quelques salutations au soleil et vraiment les quelques postures assez basiques que je savais faire à la maison, quoi, sans réfléchir vraiment à l'ordre dans lequel il fallait les faire. Enfin, voilà. Et en fait, j'essayais surtout de me concentrer sur ma respiration. Je faisais beaucoup de visualisation. Je visualisais le trajet du souffle, en fait, de mon souffle dans mon corps, et j'essayais de faire circuler l'énergie, en fait, comme ça. Et j'essayais de méditer, en fait, beaucoup. Ça s'est aussi beaucoup fait comme ça. Alors, je sais pas, j'avais vraiment aucune technique à cette époque-là. C'était vraiment sur des ressentis. J'essayais vraiment de ressentir ce qui se passait dans mon corps, mais un peu. Je dirais presque avec acharnement, quoi. Alors sans énervement, mais mon objectif, c'était vraiment pas d'essayer de faire des postures compliquées. C'était vraiment d'essayer de comprendre et de ressentir ce qui circulait dans mon corps. Bah, c'est Voilà. un objectif magnifique. Ouais, bah voilà. C'était vraiment ça à ce moment-là qui me faisait du bien, quoi. Et après, il y avait effectivement quelques postures que je faisais vraiment pour détendre les muscles, pour ouvrir un peu certaines parties du corps que je trouvais complètement fermées. Des petits étirements, des choses comme ça. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Pas très longtemps après ça, il y a eu quand même la reprise du travail. Enfin, j'ai repris le travail très vite après sa naissance. Donc ça aussi, ça n'a pas aidé. Ça a été très compliqué pour moi parce qu'en fait, j'étais dans un travail que j'aimais beaucoup, mais j'étais tout le temps assise sur une chaise. Et ça, petit à petit, ça, plus je pratiquais le yoga, plus ça commençait à me peser. Je me sentais rouillée, quoi. C'était hyper désagréable, quoi. Et puis surtout très fatiguée, le travail, les nuits de mon fils qui étaient compliquées. Enfin, ça a été difficile, donc j'ai envisagé de plus en plus sérieusement de quitter mon travail. Et un jour, ma sœur m'a dit au téléphone, c'était encore dans la période où ça n'allait pas trop. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que si vraiment ça se passait comme tu voulais là ta vie, qu'est-ce que tu ferais? Et je me souviens avoir réfléchi 1 ou 2 secondes et je lui ai dit, bah là tout de suite maintenant, si je pouvais, je ferais que du yoga. Et je parlais pas du tout d'un enseignement, je parlais vraiment d'une pratique. J'avais envie, j'étais au bout du rouleau, j'avais envie de faire que ça, quoi. Il y avait que ça qui me faisait du bien. J'avais vraiment trouvé quelque chose qui me faisait du bien physiquement et mentalement à ce moment-là. Donc c'était ça, quoi. Et elle m'a dit, bah écoute, t'as qu'à le faire. Donc j'ai cherché un moyen de me rapprocher un peu de ça. Je sentais que j'avais envie d'approfondir ma pratique.
personnelle, mais je ne savais pas trop comment. Les lectures, j'avais commencé un peu, mais c'est difficile en fait quand on n'est pas du tout dedans. Je veux dire, c'est difficile de savoir quoi lire Effectivement. quand on n'est pas conseillé, quand on ne sait pas qu'est-ce qui. Ouais, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué. Oui, parce qu'il y a Et puis beaucoup, c'est beaucoup difficile de s'y mettre. d'informations, hein. Il y a beaucoup Ouais, il y a. d'informations, on a peur de se tromper, on a peur de plein de choses. Voilà, exactement. J'avais peur de pas lire les bonnes choses entre guillemets. Enfin, c'est ouais. Du coup, j'ai cherché un peu. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour approfondir ma pratique. Et en fait, c'est en discutant avec ma prof que ça m'est venu à l'esprit. Je me suis dit, bah tiens, je pourrais peut-être faire une formation. Mais à l'époque, c'était pas du tout dans l'idée d'enseigner le yoga, quoi. J'étais pas du tout dans une démarche de transmission. J'étais vraiment dans une démarche personnelle, quoi, on va dire. Et du coup, j'ai cherché et en parlant avec elle, sa formation, enfin elle a fait d'autres formations depuis, mais en tout cas, c'était sa première formation et elle m'a dit, c'est une très très bonne formation de base, quoi. Elle m'a dit, moi j'ai vraiment ressenti le besoin de la compléter par la suite, mais en tout cas, c'est une formation de qualité. Elle m'a dit, voilà, moi je te la recommande sans problème. Et c'était très pratique pour moi parce que c'est à 20 minutes de la maison. D'accord. Et c'est quelle formation? C'est l'École nationale de professeurs de yoga, D'accord. ENPY. Et en fait, il y a plusieurs antennes. Il y en a une à Toulouse, une à Bordeaux, il y a Annecy. Puis là, je crois qu'ils ont ouvert deux autres antennes, je ne sais plus où en France. Saint-Raphaël, je crois, ou Fréjus. D'accord. C'est une formation qui s'étend sur 3 ans. Et c'est à raison d'une journée par mois, le week-end, et 5 jours de séminaire au mois de juillet. Et je me suis lancée là-dedans. Tout de suite, ça m'a vraiment passionnée, quoi. J'ai quand même senti un décalage entre les autres personnes de ma formation qui, elles, ça se ressentait, étaient vraiment dans une démarche de devenir Professeur. pro, voilà. Et moi, non. Donc, au début, ça me gênait peut-être un petit peu. Puis après, enfin voilà, j'ai vraiment fait de belles rencontres avec. Enfin, ça a été vraiment très chouette. Le Donc décalage, il résidait dans quoi? Dans l'intention de départ ou dans la pratique ou... en fait, c'est vraiment une formation dans laquelle on nous apprend à apprendre. Donc, on ne pratique pas. On ne pratique pas du tout. Il y a de la théorie. Et à côté de ça, on doit animer, nous, des séances, en fait. Donc on est vraiment mis en situation d'enseigner dès le départ. D'accord. Et à côté de ça, par contre, on doit suivre des cours. Une fois par semaine, et entre guillemets, c'est obligatoire puisqu'il faut une attestation en fait de notre enseignant qui stipule qu'on a pratiqué le yoga toute l'année à raison d'une heure par semaine, voilà. Et c'est vrai que ça, moi, ben, j'étais pas du tout là en fait. Moi, j'adorais en fait la théorie, ça, et j'adorais apprendre les postures en fait, parce que en fait, je m'apprenais à moi-même quoi. J'apprenais des choses pour moi, mais j'étais pas du tout dans une démarche de transmission. Donc moi, j'étais pas du tout à l'aise avec ça quoi. Oui, J'ai j'imagine bien. guidé des gens, enfin c'était, ils l'ont très bien compris, donc ils sont allés très doucement avec moi. Enfin, personne m'a forcé à guider des pratiques alors que j'étais pas du tout là à ce moment-là. Enfin, ça s'est fait très en douceur quoi. Mais en tout cas voilà, ça a été un peu décisif parce que du coup ça m'a vraiment permis moi d'approfondir un peu vraiment des lectures et du coup d'entrer un peu dans le côté plus on va dire plus spirituel du yoga, quoi. Et ça, entre mes deux grossesses, ça m'a beaucoup aidée, en fait, parce que entre ça, plus les lectures sur l'accouchement, T'étais mieux armée. j'étais mieux armée. Et surtout, j'avais très, très envie, je le sentais, j'avais très envie d'être enceinte à nouveau pour réparer, en fait, ce que j'avais raté. Donc, au départ, j'étais un peu effrayée de ça. Je me disais, mais enfin, je peux pas faire un autre enfant juste pour réparer. C'est pas bien. Et puis, au bout d'un moment, j'ai fini par me dire, mais enfin, de toute façon, j'ai envie d'avoir un deuxième enfant. C'est pas uniquement pour, voilà, j'ai envie d'avoir un autre enfant. Et j'ai accepté, en fait, l'idée que cette deuxième grossesse, que pour moi, c'était une envie de réparer. Je me suis dit, bah, autant l'accepter parce que c'est un fait, donc ça sert à rien de lutter. Donc en fait, j'ai été enceinte assez vite, puisque c'était quand mon fils avait 18 mois. Et là, j'ai été enceinte, effectivement beaucoup mieux armée, et cette grossesse a été merveilleuse. Enfin vraiment, ça a été un moment absolument magique, parce que j'avais quitté mon travail. Mon fils était gardé 4 jours par semaine, et donc moi en fait j'ai quitté mon travail le jour où j'ai appris que j'étais enceinte.
Je me suis dit, bon, bah, je ne vais pas chercher un autre boulot, hein, je vais profiter. Et du coup, j'ai passé toute ma grossesse, en fait, où j'étais 4 jours par semaine seule avec moi-même, ce qui m'était quand même pas arrivé depuis très longtemps, et ce qui n'arrive pas souvent dans la vie. Et du coup, là, j'ai pratiqué vraiment le yoga tous les jours. J'ai continué de prendre des cours de yoga prénatal. D'accord. J'étais un peu dans une autre démarche. Enfin, c'est vrai que c'était même ma pratique en cours, elle était totalement différente. J'ai été faire des séances de shiatsu presque tous les mois. Enfin, c'était vraiment, pour moi, mon objectif, c'était d'accoucher par voie basse. C'était vraiment ça, je voulais accoucher, je ne voulais pas une autre césarienne. C'était vraiment mon combat, quoi, en fait. Donc voilà, j'ai eu une grossesse vraiment beaucoup plus détendue. Bon, après, c'est aussi l'effet deuxième. C'est vrai que ça change beaucoup de choses, mais je pense sincèrement que voilà, la pratique du yoga a été vraiment déterminante. Parce qu'en fait, je sentais tout ce qui se passait dans mon corps, quoi, pour le coup. T'étais reconnectée. Et complètement. J'étais vraiment connectée à mon corps et du coup, j'étais connectée à mon bébé beaucoup, beaucoup plus que la première fois. Et du coup, les choses me faisaient pas peur du tout parce que j'arrivais beaucoup plus à faire confiance à mon intuition. Quand je ressentais quelque chose, je me disais, fais-toi confiance. Et j'arrivais beaucoup plus à me dire, bah non, là, je sais qu'il va bien. Oui, je l'ai pas senti bouger depuis 2 jours, mais je sais que ça va. Et j'arrivais vraiment à me faire beaucoup plus confiance que la première fois, où la première fois, dès que je le sentais pas bouger pendant quelques heures, c'était oulala, j'ai été 3 fois aux urgences de la maternité, enfin bon. Alors que là, non, tout s'est fait vraiment. Et puis je sentais tout, donc pour moi, en fait, c'était vraiment, même d'un point de vue, en fait, de la pratique du yoga, en fait, c'est super intéressant, quoi. J'ai vraiment vécu déjà les postures, on va dire, physiques. De façon totalement différente, parce que ben, au fur et à mesure de la grossesse, le centre de gravité il se déplace. Justement, Donc, ça c'est super intéressant, mais ah c'est une ouais. expérience que je ne connais pas, donc apprends-moi tout ça. Et ouais, et en fait, c'était génial parce que du coup, c'est plein de nouveaux ajustements à faire et à refaire et à refaire. Et du coup, ce que j'ai vachement aimé, c'est d'être dans une espèce de. En fait, ça aide à s'auto-observer, quoi, on va dire. Et ça permet vraiment d'être dans ce ressenti qui évolue très vite, en fait. Et c'est vrai que là où, quand on n'est pas enceinte, par exemple, on peut parfois, enfin, même si maintenant ça me le fait moins, mais au départ, quand j'essayais de m'observer, d'observer un peu ce qui se passait, bah, parfois, d'une semaine à l'autre, on sent beaucoup moins de choses qui bougent. Alors que là, la grossesse, ça va tellement vite qu'en fait, ouais. Et puis enfin, toutes les méditations aussi, en fait, comme je les faisais vraiment en étant connectée à mon bébé, bah, ça change énormément de choses, en fait. C'est vraiment super intéressant, quoi. Donc, ouais, toute ma grossesse s'est faite comme ça, avec le yoga. Donc, déjà, j'ai préparé mon corps physiquement, c'est-à-dire que j'adaptais vraiment mes pratiques, mes postures. Bon, déjà, j'avais aussi l'outil de la formation qui faisait que maintenant j'étais un peu plus aguerrie, on va dire. Et justement, qu'est-ce que tu conseillerais à des mamans qui sont des femmes qui sont enceintes en ce moment, qui veulent pratiquer le yoga, qui osent pas, qui se disent oh, je peux pas parce que je suis enceinte. Est-ce que ça, justement, pour toi, le fait d'être enceinte, c'est une barrière ou pas du tout? Ou comment Alors, tu pas du tout. adaptes? Bah alors justement, pour ma première grossesse, je faisais hyper attention à tout. Et après, c'est vraiment un cheminement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, là, j'aurais tendance à dire que, par exemple, pour ma deuxième grossesse, j'ai pas du tout fait attention. J'ai pratiqué le yoga jusqu'à 2 jours avant d'accoucher et j'ai pratiqué, je pense, à peu près toutes les postures. Sauf des postures qui sont voilà, vraiment recommandées, où évidemment, quand on est à 8 mois de grossesse, on fait pas un cobra. Enfin, Ouais, non, mais d'accord, on à est bien partir du d'accord. moment où le corps ne peut pas le faire ou bien qu'on le sent pas. En fait, chaque posture dans laquelle je me mettais, dans laquelle je sentais qu'il y avait un endroit où ça me tirait un peu ou je le sentais pas, voilà, je me disais non, là je suis pas à l'aise ou je sens que mon bébé est pas à l'aise ou il y a quelque chose qui, voilà, bah, je la fais pas. Après, je pouvais très bien ne pas faire cette posture-là pendant quelques jours et puis le refaire quelques jours après, me sentir à l'aise dedans. C'était vraiment à chaque fois un peu des tâtonnements. Donc j'aurais tendance à dire aux femmes enceintes qu'on peut pratiquer en fait tout ce qu'on veut en étant enceinte à partir du moment où on le sent. Mais là où je veux dire que c'est un cheminement,
c'est que parfois, en fait, si on a peur parce que c'est la première fois qu'on est enceinte, ou même si c'est pas la première fois parce que c'est notre tempérament, bah, il faut aussi peut-être s'écouter là-dedans et pas vouloir forcer les choses, quoi. Bien sûr, tout vient au Voilà. moment juste. Il faut pas se dire, bon, bah, ok, on m'a dit que je pouvais tout faire, bah, je vais tout faire. Il faut vraiment, voilà, être dans une démarche où on va s'écouter. Je pense qu'au-delà des postures, vraiment essayer de prendre le temps de se reconnecter à soi, à son corps et à son bébé. Et plus on arrive à aller là-dedans, plus on va pouvoir pratiquer les postures, parce qu'en fait, on va le sentir, quoi. On va le sentir beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'après, j'avais vraiment pas d'appréhension, quoi. Je faisais une posture, si j'étais bien dedans, bah, je me disais que voilà, c'est que ça allait, quoi. Et puis c'est vrai aussi qu'on a un bon repère, c'est que parfois quand on fait certaines postures et que le bébé est assez grand, s'il s'agite un peu trop à l'intérieur, bah, parfois il suffit de l'écouter, de se dire bon bah peut-être que là il n'est pas confort. Donc je vais sortir de cette posture parce que peut-être que ça lui plaît pas. J'essayais aussi de me baser un peu sur ça, quoi. D'accord. Et du coup, je me pose la question, toi, tu as pratiqué pour ta deuxième grossesse aussi avec des cours prénatales ou est-ce que tu as fait que du yoga chez toi ou même en séance, mais sans cette étiquette pour femme enceinte, entre guillemets, ou est-ce que t'as mélangé plusieurs types de cours? Bah alors au tout début, j'ai continué mes cours voilà, avec ma prof qui sont pas du tout des cours pour femmes enceintes. Mais en fait, très vite, comme j'ai arrêté de travailler, bah, en fait, j'avais la possibilité d'aller au cours de yoga pour les femmes enceintes, en fait, qui normalement, en fait, comme c'est en journée, la plupart des femmes qui viennent à ces cours, bah, c'est des femmes qui sont en congé maternité. Oui. Moi, j'étais la seule, en fait, à avoir fait les cours presque à partir de 4 mois de grossesse jusqu'à la fin, quoi. Mais en fait, c'était aussi parce que c'était pratique, parce que bah, déjà, cette prof, je l'aime beaucoup. Enfin, elle m'avait accompagnée pour mon premier enfant. Puis surtout, on s'était revus après la naissance de mon fils. En fait, elle est accompagnante périnatale. Génial. Et du coup, après la naissance de mon fils, dans les mois qui étaient un peu compliqués, en fait, on s'était beaucoup vus, on avait beaucoup discuté. J'étais vraiment attachée à elle. Et comme je ne travaillais pas, bah, j'ai décidé de reprendre les cours de yoga prénatal avec elle dès le début, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que la plupart du temps, bah, quand on travaille, en fait, on continue d'aller à des cours de yoga classiques. Et puis, quand on est en congé maternité, en cours de yoga prénatal. Mais bon, moi, je trouve que c'est quand même très chouette de pouvoir être avec d'autres femmes enceintes, quoi. Bah, ça permet au moins, c'est comme, enfin, c'est pas un cercle de parole, mais c'est un cercle de femmes aussi, un peu, quoi. Ben, tout à fait, ben, exactement. Et en fait, nous, les cours de yoga, tous les lundis matin, c'était pas que le cours. On arrivait, pendant 3 quarts d'heure au moins, on parlait. On était souvent 2 ou 3 et on parlait, on se racontait comment s'était passée notre semaine, comment ça a évolué la grossesse, on parlait de nos angoisses, on parlait de tout ça et après on pratiquait. Donc c'était vraiment basé sur le yoga de l'énergie pour le coup. Donc pareil, pas énormément de postures, mais c'était très doux et c'était vraiment énormément basé sur le ressenti des énergies qui circulent, beaucoup de visualisation, il y avait beaucoup de yoga nidra aussi. D'accord. Donc c'était vraiment un moment agréable quoi. C'était vraiment mon petit rendez-vous du lundi matin que j'adorais. Et après à la maison par contre je pratiquais un peu différemment. Je faisais vraiment beaucoup de postures pour ouvrir le bassin. Beaucoup de vraiment je préparais mon corps physique quoi on va dire D'accord. À ce qui allait se passer. voilà à ce qui allait se passer. Et j'avais vraiment ces deux côtés, quoi. J'avais vraiment la préparation du corps physique, donc avec des postures d'ouverture de hanches, de dénouement du bassin, etc. Et après, toute une préparation vraiment mentale, quoi. Vraiment beaucoup de méditation. Et puis, plus la grossesse avançait, plus j'essayais de travailler sur des méditations vraiment d'ouverture, quoi. De visualisation de mon corps qui s'ouvre, qui laisse passer mon bébé. Et après, bon, il faut aussi savoir que j'avais choisi pour cette deuxième grossesse un accompagnement global à la naissance. Ça veut dire que j'avais choisi une sage-femme qui allait me suivre toute ma grossesse et qui allait être là à mon accouchement. D'accord. En fait, c'est un peu pour celles qui aimeraient accoucher à domicile, mais qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas, parce que parfois il y en a qui ont peur, mais qui aimeraient bien être dans quelque chose qui s'y rapproche. Moi, je ne pouvais pas accoucher à domicile parce que j'avais eu une césarienne, donc ce n'était pas possible.
Enfin, c'était pas possible, c'est pas vrai, il y a des femmes qui le font, mais moi, j'aurais eu trop peur. Donc pour moi, c'était le bon compromis, parce qu'on accouche en maternité, mais on est dans une salle de naissance qui est exclusivement réservée à cette sage-femme-là. Donc en fait, on a affaire à personne d'autre que notre propre sage-femme, sauf en cas de problème. Oh, c'est chouette. Voilà, donc c'est super. Et c'est vrai que cet accompagnement, ça a été merveilleux, parce qu'en fait, cette sage-femme, elle a été... Enfin, j'ai compris énormément de choses grâce à tout ça, quoi. Chaque rendez-vous que j'avais avec cette sage-femme, ça durait 2 heures ou 2 heures et demie. J'étais pas du tout prise à la va-vite entre deux rendez-vous, une sage-femme très dans l'urgence ou un gynéco très dans l'urgence qui me prenait avec 1 heure de retard, qui m'auscultait 10 minutes un peu violemment, parce que c'était ça en fait. Et ça, je l'ai compris par la suite. Ma première grossesse, j'ai été, ouais, je le dirais, je peux le dire maintenant, j'ai été un peu violentée quoi, physiquement et moralement en fait. En ayant vécu une grossesse vraiment complètement dans le respect. Ça m'a permis de me rendre compte que ma première grossesse, c'était Ça n'avait rien à voir, quoi. non. Et puis c'est pour moi, encore une fois, c'est personnel, c'est pas ce que je qualifierais de normal, quoi. C'est très médical, ça convient très bien à certains, mais moi, je me suis rendu compte avec cette deuxième grossesse que c'était pas du tout ce que Ce je qu'il te voulais. fallait, ouais. Ouais, non, pas du tout. Et encore une fois, je suis pas du tout dans le jugement, hein. Il y a vraiment des femmes qui ont besoin de ça et je le conçois tout à fait. Mais là, je parle vraiment de mon ressenti personnel, quoi. Ça t'a permis de libérer des choses. Voilà, ça m'a permis de libérer des choses, effectivement. Et puis, j'ai beaucoup travaillé avec des mantras aussi. Je me suis répété des mantras tous les jours. Et étonnamment, moi qui suis quelqu'un de très angoissé et de très peureux, bah, j'ai fait une grossesse extrêmement sereine, quoi. Et je me suis fait confiance. Et quand je suis arrivée le jour de l'accouchement, bah, l'énorme différence, c'est que enfin déjà, j'ai commencé à avoir des contractions 1 mois avant l'accouchement. Ce qui aurait Et pu en te fait, paniquer, mais en fait, pas du tout. bah, pas du tout. Et en fait, c'est marrant, mais en fait, au bout d'un moment, je les adorais, ces contractions. Je m'étais complètement familiarisée. Voilà, tous les soirs, à la même heure, j'avais des contractions qui arrivaient. Je ressentais vraiment une espèce de vague, et j'essayais, et au fur et à mesure, j'y arrivais de mieux en mieux, à ressentir vraiment une espèce de vague d'énergie, en fait, qui parcourait tout mon corps. Je me sentais complètement envahie par quelque chose d'assez magique, quoi. Et j'ai laissé s'en aller après doucement. Et tous les soirs, je me couchais avec ces contractions. Et en fait, j'adorais parce que je sentais que mon corps se préparait. Vraiment, je sentais que là, j'étais dans le dernier mois et mon corps se préparait à la naissance, quoi. Je sentais mon corps qui s'ouvrait, je sentais mes ligaments qui commençaient à tirer d'un côté de l'autre, je sentais mon bébé qui commençait à descendre, qui commençait à se placer dans le bassin. Je sentais tout, en fait. Je sentais vraiment mon bassin qui bougeait. Je marchais beaucoup à la fin et c'est vrai qu'à chaque fois que je marchais, je sentais encore d'autres choses différentes. C'était vraiment assez magique, en fait, d'être à l'écoute de tout ça. Et je pense que sans le yoga et sans tout le travail que j'avais fait, j'aurais pas réussi à vivre ça comme ça, quoi. Et dans ta formation, du coup, est-ce qu'il y a il y a une approche du yoga prénatal? Est-ce que toi, de ton côté, tu as envie de l'enseigner, de le transmettre, d'accompagner des mamans? Ah oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, je suis la formation yoga prénatale qui est dispensée par le même organisme de formation que le mien. Et je vais la suivre ce week-end qui arrive. D'accord, bah écoute, c'est oui, ça a l'air d'être vraiment ta voix quand on a un parcours de résilience comme ça. C'est, je pense qu'on est la personne la mieux placée pour accompagner parce que tu connais deux états différents, enfin, t'es passé par pas partout, mais par beaucoup de voix en fait sur ce même sujet. Donc ça fait de toi quelqu'un qui est suffisamment expérimenté pour transmettre. Un yoga et des cours qui aideraient suffisamment vraiment les gens, quoi, qui aideraient vraiment. Bah ouais, en tout cas, c'est vrai que ça me passionne, quoi. Donc j'ai vraiment très très envie de mettre ça en place, quoi. Je sens que, en fait, ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est de devoir vivre un premier accouchement difficile pour devoir ensuite faire soi-même son propre cheminement pour en arriver à vivre un accouchement comme on le souhaite. Et si je peux un petit peu accompagner des femmes. J'ai pas envie forcément de prôner l'accouchement naturel, même si évidemment
c'est génial en fait. Et je souhaite à tout le monde de vivre ça s'il en a envie. Mais en tout cas, c'est pas ça que je prônerais. Je comprends tout à fait qu'on ait envie d'avoir un accouchement médicalisé, mais en tout cas, si je peux vraiment accompagner des femmes Dans leur dans un grossesse. bien-être pendant la grossesse et simplement vivre cet événement, peu importe comment il va être, mais en tout cas, si on peut le vivre en étant détendu et serein, ça change quand même beaucoup de choses, quoi. Et surtout, en fait, ce qui est très important pour moi, c'est de vivre l'accouchement qu'on veut. Et pas un accouchement subi. Et c'est vrai que moi, la première fois, je m'étais posé aucune question, donc je ne savais pas ce que je voulais. Et en fait, j'ai vraiment, c'est sur le moment que je me suis rendu compte, mais non, mais c'est pas ça que je voulais, en fait, ça me ressemble pas du tout. Et je pense que c'est normal, en même temps, avant d'avoir un bébé, on s'intéresse pas forcément à tout ça, et puis quand c'est la première fois, on fait confiance. On fait beaucoup confiance, oui. Voilà. Et en fait, moi, si je peux donner un conseil, c'est simplement aux femmes ouais, de se documenter pour savoir ce qu'elles veulent, elles, pour vivre l'accouchement qu'elles souhaitent, péridurale ou pas péridurale, ou césarienne programmée ou pas, peu importe. Mais en tout cas, vraiment l'accouchement qu'on souhaite. Et c'est vrai que le yoga, ça permet vraiment de... Enfin, ça permet de se dépasser vraiment. Enfin, moi, là, je dis ça aujourd'hui, mais il y a 4 ans, si on m'avait dit que j'allais accoucher sans péridurale, j'aurais dit, mais vous êtes fou, jamais. Et non seulement j'ai accouché sans péridurale, mais j'ai pas eu mal en fait. J'ai pas eu mal. J'ai vraiment vécu un accouchement en conscience tout le long. Je dirais pas que c'est une expérience facile dans le sens où ça demande beaucoup d'énergie. À la fin, je manquais d'énergie. Vraiment, je sentais que mon corps était vide d'énergie. J'étais épuisée, mais par contre, j'ai pas eu de souffrance physique à aucun moment. D'accord. Après l'accouchement, bon, les suites de couches, ça a été un peu plus compliqué. Donc, une immense fatigue dans les semaines qui ont suivi l'accouchement. Alors, a priori, souvent, quand on accouche sans péridurale, on a beaucoup plus d'énergie après. C'était pas mon cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, j'ai pas pratiqué du tout le yoga avant d'avoir fait ma rééducation du périnée. Oui, Les seules ça. choses que je faisais, c'était un peu de Uddiyana Bandha. Ça, je l'ai beaucoup fait, en fait. Ça permet de... Voilà, de... Quand Justement, d'aller chercher un petit peu tout ça, un petit peu tous les bandas, le périnée, Voilà, abdominaux, tout ça. exactement. Donc ça, je le faisais allongé, c'est un peu la seule chose que je faisais. Et c'est vrai que quand on a l'habitude du coup de pratiquer beaucoup et qu'on se retrouve pendant 2 mois à rien faire du tout, ah, oh là 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 là, ça fait... Ah, je sentais mon corps rouillé, j'avais mal partout, c'était vraiment... Oh là là, j'attendais que ça, quoi, de pouvoir me remettre sur mon tapis et... Et c'est vrai que bon, je sais qu'il y a des femmes qui le font, mais moi, j'avais pas du tout d'énergie en fait pour pratiquer à ce moment-là, donc j'ai vraiment attendu. Et le retour, ça s'est passé comment du coup sur Et le tapis? bah alors du coup, j'ai pas du tout repris de cours tout de suite. J'ai pratiqué toute seule. Bah, je l'ai fait vraiment très très en douceur quoi. C'était des petits mouvements, des petits étirements. J'ai essayé de me reconnecter avec mon corps, mais là, ça a été plus compliqué. Parce que j'étais fatiguée, j'étais plus du tout dans cette. Puis c'est vrai que je passais tellement d'un état à la fin de ma grossesse où j'étais dans un bien-être voilà, total, quoi, à l'après-grossesse où là, du coup, c'est quand même. Physiquement, j'étais un peu moins bien. Et puis du coup, je me retrouvais avec 2 enfants en bas âge. C'était quand même plus. La logistique était plus compliquée, c'était plus fatigant. Donc j'avais beaucoup plus de mal là. J'avais beaucoup plus de mal à méditer. Je sentais que j'avais un peu le mental qui. J'étais très tendue quoi. J'avais un peu les muscles tendus. Donc ça a été un peu un retour difficile pour moi. Et d'ailleurs encore aujourd'hui, là ma fille, elle a 7 mois et demi, bientôt 8. Je pratique. Je dirais pas tous les jours parce que j'y arrive pas. Mais j'essaye de pratiquer presque tous les jours. Et je sens que ma pratique, elle est différente. J'arrive plus à accéder à des états dans lesquels j'avais accès quand j'étais enceinte. Parce qu'il y a beaucoup de fatigue par-dessus qui est venue s'accumuler. Ma fille, elle dort très très mal en fait depuis qu'elle est née. Je suis dans un état de fatigue assez avancé, on va dire. Et en fait, je sens que j'ai les nerfs qui ont vraiment pris le relais, quoi. Oui, pour l'instant. Après, Voilà. c'est quelque chose qui peut-être reviendra. Peut-être aussi que t'as accédé à des états qui sont liés à ce que tu étais, c'est-à-dire au fait d'être une femme enceinte et qu'aujourd'hui, il y a d'autres choses pour toi à aller chercher, peut-être. Et oui, tout à fait. Et du coup, voilà, là, j'en suis un peu là, voilà, dans ma pratique où je sens que j'ai du mal à lâcher.
J'ai un peu l'impression que si je lâche, il y a toute mon accumulation de fatigue, tout va lâcher, puis je vais complètement m'effondrer. Donc il y a peut-être un peu ça aussi, tu vois, j'ai l'impression d'être un peu dans le contrôle, quoi. Parce que j'ai l'impression que si je lâche, ça va complètement tout ouvrir. Et Et tu là, saurais pour pas le comment moment, gérer. ben ouais, c'est un peu compliqué. C'est vrai que là, comme ils sont tous les deux, puis je m'en occupe beaucoup en ce moment, parce que mon conjoint, il a repris le boulot. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup moi qui suis avec les enfants. Donc, je sens que si je lâche tout, tout repose un peu sur moi, là. Donc, bon, il faut pas que je lâche complètement. Mais en tout cas, voilà, le fait de pratiquer, ça me sauve quand même encore aujourd'hui, parce que souvent, en fait, quand je discute avec les gens, que je dis que ça fait 8 mois que je suis réveillée presque toutes les heures chaque nuit, les gens me disent, mais en fait, je veux dire concrètement, comment tu fais pour tenir? Et je pense que si je pratiquais pas le yoga, je ne tiendrais pas du tout, en fait. Parce que j'ai beau pas dormir, je dis pas que je suis dans un état merveilleux, mais en tout cas, ça va quand même, quoi. Oui. Le moral est là, je me sens quand même bien. Et en fait, Présente, pas trop ouais. déconnectée, pas trop. Exactement, ouais. Et puis, en fait, parfois, il y a des jours où je suis épuisée et mon fils fait la sieste. Et ben, je fais une demi-heure ou 3 quarts d'heure de yoga. Et hop, ça m'aide à terminer la journée, quoi, on va Oui, c'est dire. reparti. Ouais, voilà. Ouais, je sens que ça s'ouvre, que mon corps s'étire. Je sens que ça circule à peu près. Enfin, voilà, c'est pas parfait. D'ailleurs, c'est jamais parfait. Mais et puis, d'ailleurs, ça fait partie du chemin, en tout cas. Cet état-là dans lequel je suis, je l'observe tout autant qu'un autre et voilà. Mais j'essaye de me dire que là, je suis là et puis c'est tout quoi. Mais ça doit pas être évident. En plus, là, en ce moment, tu es en train de lancer tes cours, tu travailles. Tu m'avais écrit dans ton mail que tu travaillais dans un centre qui accueillait des femmes en situation précaire, c'est ça? Oui. Alors là, je donne des cours. En fait, ça s'est présenté. Voilà, donc c'est pour en revenir un peu là. J'avais donc pas forcément prévu de donner des cours de yoga. Durant ma deuxième année de formation, j'ai quand même commencé à me dire un peu dans ma tête, oh bah peut-être pourquoi pas un jour travailler à mi-temps et puis donner quelques cours de yoga à côté. Enfin voilà, le chemin s'est un peu fait, commencer un peu à se mettre en place quoi dans ma tête. Et puis c'est en juillet dernier. Que j'ai une de mes amies qui travaillait dans un centre social qui m'a dit, est-ce que ça te dirait au mois de juillet d'animer une initiation yoga pour des femmes bénévolement? Moi j'ai dit bah oui, bah, pas de problème quoi, une séance d'initiation, je me sentais entre guillemets capable de le faire. Et puis voilà, j'avais envie, c'est vrai que ma fille avait quelques mois, ça me remettait un peu dans la vie quoi, on va dire, autre que la vie de maman quoi. Donc j'ai fait cette initiation et en fait ça s'est super bien passé. Et suite à cette initiation, le centre social m'a demandé si j'étais d'accord pour intervenir durant cette année scolaire là, deux cours par semaine en fait dans le centre social. Donc sur le coup j'étais un peu effrayée. Je me suis dit oula, mais j'ai pas du tout prévu ça. C'est pas que je me sentais pas prête parce que ma formation voilà, je savais que j'avais acquis un certain nombre de choses, puis je ne me positionnais pas comme un peu comme détentrice de tous les savoirs, quoi. Non, je vais simplement accompagner des personnes vers la découverte de quelque chose. Enfin voilà, donc c'est pas vraiment que je me sentais pas capable, mais j'étais un peu prise de court, quoi. Je me suis dit, oula, mais non, mais j'ai pas du tout prévu ça. Et puis, bon, bah, comme je suis très comme ça, je me suis dit, si ça se présente à moi, c'est peut-être qu'il faut que je le fasse. Donc, bah, je vais le faire. Et puis, on verra déjà si j'aime enseigner, enfin, si j'aime transmettre, quoi. Et voilà, donc les cours ont commencé, ça se passe super bien. Alors après, c'est vraiment pas idéal du tout pour démarrer, hein. Ouais, La salle, pourquoi? elle n'est pas du tout agréable, elle n'est pas jolie. En plus, on est séparés par une espèce de cloison toute fine. Et de l'autre côté, il y a un relais d'assistante maternelle. Donc, il y a des bébés et des enfants qui crient. Donc, pour des personnes qui connaissent pas du tout le yoga, qui ont un peu du mal à rentrer dans la pratique, le fait que ce soit pas silencieux, bah, ça les aide pas du tout. Le matériel, il n'est pas du tout. Les tapis, déjà j'ai réussi à leur faire acheter des tapis de yoga au centre social parce qu'au début c'était même pas des tapis de yoga. Donc c'était vraiment, vraiment pas idéal comme condition. Puis en plus, bon, c'est vrai que j'ai à la fois des personnes de 30 ans et à la fois des personnes de 85 ans dans mon cours, quoi. Oui, donc c'est compliqué.
Donc c'est très compliqué d'adapter des pratiques qui plaisent à tout le monde, sachant que j'ai des personnes qui veulent du yoga dynamique. Donc comment vous dire que quand elles sont 85 ans, qu'elles n'ont jamais fait de yoga, qu'elles ont des fractures partout, comment leur dire que le yoga dynamique, c'est pas tout à fait adapté? Donc en fait, c'est vraiment un vrai challenge, quoi. J'ai même une personne qui est en situation de handicap physique dans mon cours. Et puis surtout, j'ai des personnes qui sont pas réceptives du tout au yoga, quoi. Enfin, c'est vrai Ouais. que elles viennent parce que c'est un peu un prétexte, on va dire, un prétexte pour être ensemble, parce que c'est un centre social qui est vraiment là pour créer du lien, en fait, entre les gens. Mais le yoga, la respiration, tout ça, c'est pas du tout leur truc. Donc c'est vraiment un challenge, quoi. C'est vrai que les premiers cours, je sentais que je faisais pas des cours qui me ressemblaient. Je faisais des cours un peu pour essayer de satisfaire tout le monde, et à chaque fois, je repartais du cours en me sentant pas très bien, en me Ah, c'est disant que j'ai terrible pas ça. l'impression d'avoir fait un bon travail. Je sentais que potentiellement elles pouvaient se faire mal parce que j'allais dans des trucs qui pour leur faire plaisir, mais voilà, qui n'étaient pas adaptés. Puis avant les vacances de la Toussaint, je me suis dit non, non, mais là ça va pas. En fait, moi je me sens pas bien et j'ai pas envie de continuer toute l'année comme ça à faire des cours qui me conviennent pas. Et j'ai un peu changé de posture. Je me suis dit après tout, elles sont pas obligées de rester dans ce cours, mais moi je vais essayer entre guillemets d'adopter une posture de professeur, c'est-à-dire j'ai pas envie de dire que c'est moi qui sais et vous qui savez pas, mais j'ai simplement envie de dire là je sais que potentiellement vous pouvez vous faire mal. Donc, on va essayer d'aller, enfin, de reprendre à zéro, quoi, d'y aller, de reprendre les bases, quoi. Et j'ai fait vraiment une pratique qui me ressemble avant les vacances, une pratique d'automne, adaptée à l'automne. Il y en a qui, on a discuté un peu après le cours, il y en a qui n'ont pas trop accroché, parce que j'ai fait quelque chose d'assez long, d'assez méditatif. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop accroché, mais bon, en tout cas, moi, je suis sortie du cours. En me sentant alignée, quoi, on va dire. Je me C'est suis ça dit. qui est important. Après, si ce que tu transmets te ressemble pas, en fait, c'est pas que tu transmets rien, mais toi, tu n'es pas en résonance avec ce que tu transmets, donc tu es en décalage avec tout le monde, puisque t'es en décalage avec toi. Ben, tout à fait, ouais. C'est vrai que je ressentais les choses comme ça, quoi. Ouais, je me sentais pas présente, ouais, dans mes cours. Il y avait quelque chose qui. Bon, après, c'est vrai que c'était le tout début, hein, donc Oui, et c'est puis c'est difficile en cool. tant que professeur de trouver sa posture de prof, de trouver son c'est pas une autorité, mais c'est comme une autorité naturelle. C'est ton statut, entre guillemets, qui Oui. fait que tu es professeur, même si toi, tu ne te sens pas au-dessus des autres et que tu te sens au contraire sur le même disons sur la même ligne, tu vois. Mais malgré tout, t'es professeur, tu vois, t'es Oui, professeur et c'est tout à fait. À toi de les guider et de prendre en charge cette responsabilité. C'est une grosse responsabilité. C'est pas facile de se positionner au départ parce Ouais. que on est dans l'envie de faire plaisir. Exactement, exactement. Ouais. Et le problème, c'est que on se rend vite compte que en plus les gens souvent là-dedans, ils vont pas progresser parce qu'ils sont que dans les choses qu'ils aiment. Et tu progresses pas Tout à forcément dans fait, les ouais. choses qui te ressemblent et que tu aimes et dans lesquelles tu es à l'aise. Oui, non, mais c'est exactement ça. Et puis en plus, moi, j'essayais du coup de me dire, mais toi, j'essaie de me replonger un peu à moi quand j'ai débuté, quoi. Qu'est-ce que j'aimais? Qu'est-ce qui a fait que j'ai accroché? Et au final, bon, bah, c'est venu doucement, mais c'est vrai que, enfin, je pense que si j'avais été dans un cours la première fois où on m'avait fait chanter, où, voilà, enfin, je serais partie en courant, quoi. Alors Oui, il y a ça qu'aujourd'hui, aussi. j'adore ça, voilà, enfin, ça, vous en avez parlé. Dans plusieurs épisodes, Ouais. moi je m'y retrouvais vachement. Je me disais, bah oui, c'est vrai, moi aussi, quoi. C'est vraiment un cheminement en fait. Et du coup, j'ai un peu voilà, décidé cette année avec ces femmes de. C'est un petit challenge, on va voir si elles adhèrent ou pas. Et puis, je vais essayer de planter mes petites graines comme ça, quoi. Mais en tout cas, voilà, comme tu dis, faire quelque chose qui me ressemble. Parce qu'en fait, du coup, ça m'intéresse beaucoup plus. Bah oui. Préparer mes séances, du coup, c'est vachement plus intéressant de faire quelque chose voilà, qui me convient, qui me correspond, quoi. Je veux dire, c'est plus facile, quoi. Et puis après, entre guillemets, il y a un truc qui est important, je pense qu'on doit tous se souvenir, c'est que on est responsable de ce qu'on aimait
pas de ce que les autres veulent bien comprendre, entre guillemets. Donc, dans un groupe, déjà, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être super réceptifs et d'autres pas du tout. Mais toi, ça ne remet pas en question ce que toi tu enseignes et ce que toi tu Oui, tout à dis fait. et ce que tu essayes de transmettre. Et ça, c'est un truc, sur le moment, c'est difficile. On n'a pas envie, quand c'est nos premiers cours ou même quand c'est notre centième, millième cours, t'as pas envie qu'il y ait un élève au fond de la classe qui fasse la gueule, quoi. T'as juste Mais pas ouais. envie de ça, quoi. T'as envie que tout le monde soit bien, que tout le monde accroche, que ça éveille les gens à d'autres choses. Malgré tout, c'est chacun son chemin et chacun qui trouve la résonance ou pas, quoi. Mais oui, tout à fait. Et c'est C'est pas de vrai que notre moi, j'étais beaucoup responsabilité. là-dedans, là. Ouais, je me disais, j'avais envie que ça plaise tout de suite. Et au final, je me rends bien compte que, bon, bah, par exemple, dans les relaxations à la fin, bah, les gens ne fermaient pas les yeux au début. Alors que là, les derniers cours, ils ferment tous les yeux. Donc, c'est déjà quelque chose de. C'est une petite chose, mais c'est positif pour moi, quoi. Je me dis, bon, bah, petit à petit, on va quand même arriver à quelque chose. Voilà, même si j'en suis pas du tout avec eux à travailler les bandas ou des choses comme ça, Bien sûr. mais peu importe. Voilà, en tout cas, j'ai l'impression en sortant de là de pas avoir fait quelque chose qui est pas en adéquation avec ce que j'ai envie de transmettre. Et du coup, j'ai pas peur qu'ils se fassent mal. Donc bon, après, j'ai vraiment essayé de me dire qu'après tout, elles n'étaient pas obligées de venir à mes cours Exactement. et que voilà, c'est comme ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est, mais c'est pas facile. Hein. Enfin moi, je sens que là, c'est vraiment tout un travail, quoi. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui a du mal à me mettre en avant, quoi. Pendant mes études, moi, j'étais toujours celle qui posait jamais de questions en classe. Je veux pas qu'on me. Ne serait-ce que là, devoir communiquer, c'est un énorme travail sur moi, quoi. Devoir assumer une identité visuelle, me dire que potentiellement il y a des gens qui peuvent ne pas aimer. Enfin, c'est vraiment tout un travail en ce moment de me dire, allez, mais laisse ton ego de côté, fais ce qui te plaît, et puis peu importe. Voilà. Donc c'est pareil, en fait, je me rends compte que le yoga est partout et qu'en fait, c'est un travail. Ah, le yoga, il est partout, et puis plus tu vas avancer, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que pour le coup, je me retrouve bien dans ta façon de voir les choses, parce que moi, par exemple, quand j'étais enfant, j'ai été pas mal moquée, voilà, des choses comme ça, des événements un peu traumatisants, et malgré tout, j'ai choisi un métier, et de plus en plus, je vais dans cette direction-là, en plus, où je suis vue par mes élèves en cours, je suis entendue par des gens sur YouTube, Spotify et tout ce qu'il faut, tutti quanti. Donc, je me suis mise en position d'être vue là où moi j'ai peur, là où ça réveille mes peurs aussi. Et donc, on ne choisit pas quelque part ces métiers-là par hasard. On est là aussi pour, bah, on se répare en même temps. Un Bah petit oui, peu bien sûr. quelque part, on se répare, on est face à notre ego, à nos peurs, et c'est comme ça qu'on évolue aussi. Bah oui, tout à fait. Mais c'est vrai que oui, c'est un travail super intéressant, quoi. En tout cas, voilà, moi, là, je prends plaisir à faire ça. Je ne sais pas du tout. Je suis pas encore du tout certaine de vouloir, en tout cas, enseigner le yoga à temps plein. Ça, je suis pas certaine d'en être là. Bah, ça a vachement résonné, en fait, le dernier épisode avec Karine, justement. Je me suis beaucoup retrouvée dans ce qu'elle disait au bout d'un moment quand elle dit qu'il faut réussir à faire la différence entre avoir envie d'une pratique personnelle plus approfondie ou plus poussée ou plus fréquente et l'envie de transmettre. C'est Elle très disait ça, différent. c'est très différent, c'est vraiment très différent. Et quand elle a dit ça, ça a résonné très fort parce que je me suis dit, c'est exactement là où je me trouve en ce moment. Je ne sais pas encore. Là, pour l'instant, les cours que je donne, ça me plaît. Mais j'ai vraiment envie d'utiliser entre guillemets cette année pour vraiment voir comment je me retrouve là-dedans et si ce que j'aime c'est pas pratiquer plus qu'enseigner. Enfin voilà, pour l'instant ça me plaît beaucoup, mais je me laisse encore voilà ces quelques mois pour voir. Après, enseigner à temps plein, en tout cas je suis pas sûre que ce soit ce que je recherche, en tout cas pas maintenant. J'ai vraiment envie de donner quelques cours de yoga. Bah, le yoga prénatal, oui, ça c'est sûr. J'ai vraiment envie de me tourner vers ça. Et puis j'ai envie aussi d'autres choses peut-être à côté. Là, j'envisage de me former au massage bébé.
Et puis, bon, ça, il faudra un peu de temps et un peu de sous, mais à terme, si j'y arrive, j'aimerais bien me former soit à la sophro, soit au shiatsu. Le yoga, c'est vrai que ça m'avait aussi ça m'avait aussi beaucoup parlé ce qu'elle disait Karine, parce qu'effectivement je reçois pas mal de mails de personnes qui me disent bah je me lance tes podcasts m'ont aidé donc je me lance machin quels sont tes conseils et derrière je reçois aussi beaucoup de mails qui sont ou de questions qui sont comment on trouve du travail quand on est prof de yoga, comment on fait ci, comment on fait ça. En fait c'est on peut se perdre dans le plaisir qu'on a. C'est pas parce qu'on a du plaisir effectivement à pratiquer qu'on est tous Oui, enseignants nés. et tout à fait. Et tout à fait, parce que là, j'ai eu un tout petit aperçu cette année de ce que ça, de ce que c'était en fait que le métier de prof de yoga, même en dehors des cours que tu dispenses, quoi. Je veux dire, la préparation des séances, le fait de. C'est vrai qu'au début, on n'a pas tous notre salle à nous, où on peut laisser tous nos tapis. Donc, vivent les On aménage comme conditions. on peut, donc il faut courir à droite à gauche avec ses tapis dans la voiture. C'est dans des salles qui ne sont pas forcément toujours très agréables. C'est vrai que, bon, il ne faut pas que aimer le yoga, je pense, pour être enseignant, quoi. Faut aimer. En fait, faut avoir je pense, la vocation de cette transmission. Tout à fait, Voilà. ouais. Faut c'est presque c'est une mission quoi, c'est faut que ce soit aligné avec ta mission de vie parce que Ouais. sinon tu peux pas accepter Mais ouais, voilà, il y a plein de d'être choses autour qui font que, effectivement, voilà, tu peux pas subir tout ça. Enfin, justement, non, tu peux pas le vivre si tu sans le dois le subir. subir. Ouais, Ouais. exactement, Il c'est faut exactement ça. soit, voilà. Et c'est vrai que, voilà, moi, je me trouve un peu à cet endroit-là. Je sens que ça me plaît de donner des cours. Je sens que ça me plaît beaucoup de préparer les séances. Mais je sens que là, j'en suis pas du tout à un stade où j'aurais envie de courir partout pour donner 20 cours par semaine, pour arriver à me faire un salaire dans Ouais. plein de salles différentes. Là, j'en suis pas là. Puis moi, j'habite à la campagne. C'est vrai que c'est encore un peu différent. Pour arriver à en vivre quand on habite à la campagne, c'est quand même un peu difficile. Réussir à remplir 15 cours, bon, faut. Ça se peut, mais faut trouver les gens, quoi. Voilà, exactement. Faut trouver les gens. En tout cas, voilà, c'est vrai que là, je découvre un peu vraiment le métier en tant que tel, et voilà, je sais pas encore où je vais aller. J'aurais envie, je pense, de faire d'autres choses à côté, mais Ce que je comprends tout à fait. et puis c'est vrai que voilà, bon, moi, le shiatsu, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidée pendant ma grossesse, et du coup, effectivement, c'est quelque chose vers lequel j'aurais éventuellement envie de me tourner par la suite. Donc voilà, je ne sais pas encore si je vais pouvoir financièrement et tout ça, mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresserait bien et je me dis que en combinant plusieurs petites choses, peut-être réussir à en vivre, voilà. Et puis sinon, bah, trouver un boulot à mi-temps à côté, et puis donner quelques cours. Enfin voilà, je ne sais pas encore. Là, je suis vraiment dans une année un peu Oui, charnière. tu connais pas la formule que tu vas adopter, mais je pense que c'est aujourd'hui, on a plein de capacités en nous, plein de choses à offrir, et notre métier idéal est certainement un métier à créer et un métier qui ne ressemble qu'à nous et qui n'existe absolument pas. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, on est une génération qui doit créer son travail, quoi. Je pense que c'est Complètement. ça. Et je le ressens hyper fort là en ce moment. Et voilà, moi-même, c'est pareil, hein. Prof de yoga à temps plein, oui, parce que je m'estime pas autre chose. Mais en même temps, j'ai besoin d'alimenter mon activité par d'autres biais, par d'autres choses que. Enfin, le podcast, c'est devenu hyper important pour moi. Et c'est génial d'ailleurs, ouais. J'ai besoin de ne pas seulement aller en cours. Voilà, et Oui, je comprends tout à fait, ouais. de créer autrement. Parce que, après, c'est que mon avis, mais il y a une forme de routine à un moment donné qui s'installe et qui est hyper nocive. Enfin, pour moi, c'est hyper nocif parce que j'avais l'impression d'être le hamster dans sa roue qui court et qui crée, toujours les mêmes cours et qui propose plus rien. Et de Ah faire ouais. des pauses comme ça m'a fait du bien. De Ah ouais, je comprends, ouais. recevoir des gens, de discuter,
Ça me permet d'ouvrir les perspectives un petit peu et de nourrir ma pratique derrière. Ah bah complètement. C'est vrai que moi, ton podcast, ça m'a vraiment permis ça, hein. Enfin, de l'écouter, d'écouter des différents parcours, d'entendre les gens parler. Enfin, après, moi, j'écoute beaucoup de podcasts d'une manière générale. Et en fait, ouais, ça ouvre énormément de. Enfin, ça me fait beaucoup grandir, en fait, vraiment, d'écouter les expériences des gens. Je trouve ça super, quoi. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis, merci à toi pour toute cette expérience. Je pense que ça va profiter à beaucoup de monde et notamment, je pense aux mamans qui nous écoutent ou voilà, qui ont envie de se mettre au yoga, qui osent pas, qui savent pas ou qui ont traversé comme toi une première grossesse qui était difficile. Ou voilà, je pense que ça va être un bel épisode. Bah, j'espère. Merci beaucoup en tout cas. Merci, namasté. Namasté. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode aura su aiguiller les futures mamans, mais aussi tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent au yoga pré- et post-natal. Je souhaiterais encore une fois remercier Charlotte Hélène pour son soutien sur le Tipeee de Parole de Yogi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute, et je vous dis à bientôt. Namasté.